Les nuits du Ramadan, il faut le rappeler, surtout ici à El Jadida, elles sont nées à El Jadida. Il y a une huitaine d'années, comme je vous le disais, et leur concept, qui est un concept musical, un concept spirituel, a suscité l'engouement du public jdidi, avec le soutien des hautes autorités, les autorités de la province, les autorités de la municipalité, les autorités de la direction régionale du ministère de la Culture, du Dukala Abda et l'Association provinciale des affaires culturelles. C'est un lien entre culture et vie, entre rite et spiritualité, sacré, multiculturalisme et tolérance. Ce sont autant de thèmes, du vivre ensemble, qui sous-tendent la saison culturelle France-Maroc, vaste opération menée par l'Institut français du Maroc. C'est ainsi que les nuits du Ramadan sont devenues la troisième édition nationale sur tout le territoire du royaume. Le Maroc, un pays qui a ses racines dans son patrimoine spirituel, ses traditions artistiques et esthétiques, un vieux pays, comme certains aiment à le qualifier, tout comme le nôtre, un pays qui, dans sa diversité, marque son attachement aux valeurs de modération et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde, telles que la nouvelle constitution du Maroc le stipule. C'est ainsi que ce soir, et demain, et après-demain, et dimanche encore, nous aurons le plaisir d'accueillir pour ces quatre soirées à venir des groupes musicaux d'horizons différents, autant de passeurs culturels qui favorisent l'échange entre l'Orient et l'Occident par le biais de la musique. Ce soir, nous invitons sur scène en première partie l'ensemble Cœur de Cordoue avec Souad Massi et Eric Fernandez. Bonsoir. Bonsoir. Souad Massi. Massi, Massi. Massi, j'aimerais bien. Madame Messi, qu'est-ce que vous pensez de la culture au Maroc? Moi, je vais vous parler du foot. Souad Massi, ouais. Vous êtes ingénieur en urbanisme. Ouais. Aujourd'hui, on ne parle plus de Souad l'architecte, mais on parle de Souad la guitariste et auteur-compositeur. Qu'en est-il au juste? Alors, je n'étais pas une grande architecte. Voilà, mais j'aime beaucoup tout ce qui est génie civil, je m'intéresse à l'architecture. Et la vie a fait que j'ai choisi une autre voie, c'est la voie de la musique, de la chanson. Voilà, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de prendre, j'ai pris le chemin de la musique et alhamdoulilah, je suis contente. Vous vivez en France maintenant? Je vis en France, mais je vis souvent en Algérie. En Algérie? Ouais. Oui, d'accord. Va-t-on dire Souad l'Algérienne ou la Marocaine? On a dit que vous êtes mariée marocaine, je crois. C'est alors, vrai. C'est les deux Marocains. Franchement, c'est le Maghreb uni. Il n'y a pas de problème. Mes enfants, ils sont maghrébins. J'ai aucun souci avec ça. Bien au contraire. Parce que je suis pour. Pour unir le Maghreb. Votre impression sur le Maroc et sur El Jadida en particulier? Sur le Maroc, c'est toujours un plaisir. J'adore venir. Yeah.
خير صحبت لكم أنا باسمي وباسم أصوات قرطبة أحييكم أنا بزاف فرحانين أنا معاكم مع خالتنا وخواتاتنا المغاربة إن شاء الله ندير لكم حفلة تكون في المستوى إن شاء الله بونسوار تو موند ميرسي دتر لا parmi nous, parmi vous. On est très content d'être avec vous ce soir, passer une nuit de Ramadan avec vous. Notre spectacle s'appelle Cordoue, Aswad Cordoba, qui est un hommage à la ville de Cordoue, qui fut au Moyen-Âge la capitale mondiale de la culture, et ça grâce au travail des musulmans, juifs et chrétiens et athées, qui travaillaient main dans la main pour faire avancer les arts et la culture. Super. Excusez-moi, juste le premier poème que j'ai lu, c'était du poète, grand poète, Lissan Eddine Ibn al-Khatib, qui est cher à Andalus. Thank you.
اسمى الغدا ما بقت النية بتوجع لولا شموس الغرري مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر حين لدى النوم شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس غارت الشهب بنا أو ربما أثرت فينا عيون النرجس جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصف بالأندلس Thank you.
كيفاش انا ما نبكيش كيفاش ما يغيضنيش الحال وانت ما تجينيش كيفاش ما يغيضنيش الحال كيفاش انا ما نبكيش كيفاش ما يغيضنيش الحال وانت ما تجينيش شحال من مره باسمي وباسم أصوات قرطبة نحييكم. أنا بزاف فرحانين أنا معاكم مع خوتنا وخواتاتنا المغاربة. إن شاء الله دير لكم حفلة تكون في المستوى إن شاء الله. بونسوار تو موند، ميرسي داتخو لا parmi nous parmi vous. On est très content d'être avec vous ce soir. Passer une nuit de Ramadan avec vous. Notre spectacle s'appelle Cordoue, Aswad Cordoba, qui est un hommage à la ville de Cordoue, qui fut au Moyen-Âge la capitale mondiale de la culture, et ça grâce au travail des musulmans, juifs et chrétiens et athées, qui travaillaient main dans la main pour faire avancer les arts et la culture. Super. Excusez-moi, juste le premier poème que j'ai lu, c'était de... du poète, grand poète Lissane Din Ibn al-Khatib, qui est Sha'ir Andalus. Thank you.
صحافي. تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة، تنسى كحب عابر، وكوردة في الليل تنسى. On t'oubliera comme si tu n'avais jamais été. On t'oubliera comme la mort d'un oiseau, comme une église abandonnée, et comme une rose dans la nuit. On t'oubliera. Avec de ses compositions qui s'appellent Méditerranée. السلام عليكم. vous présentez s'il vous plaît. Je suis Oustad Msbahi Abdelmoumi, Oustad Mkoumi de Mokrit Jawa Imi Antarbi Otkoui, Djedila, Oustad Mahad Al-Mosiki Moustakbal, Raïs de l'Jouk Jihawi Jihad Dukala Abda, Raïs de l'Jouk Mahadi Jihad. شنو السبب اليوم نتساو الكورال الليالي ديال رمضان؟ دونك كان عندنا حنا واحد المجموعه ديال الانشطه سابقه، بالتالي ارتأت
المديريه الجهويه ديال الثقافه لانها حتى هي تدمجنا ضمن الليالي ديال رمضان في اطار لهاد الانشطه ديال اللي كتجمع ما بين التصوف المجموعه الصوتيه عندكم؟ المجموعه الصوتيه كتضم التلاميذ ديال المعهد الموسيقي المستقبل في تلاميذ ديال الاعداديات عبد الرحمن الدكالي بمدينه الجديده. بالتالي الاهداف ديال هذه المجموعه هي اهداف تربويه فنيه، كتغنى عبر واحد السفر لساني متنوع، اللغه العربيه الفرنسيه العمق الافريقي حتى بالامازيغيه، يعني الانشطه ديالنا متنوعه وكتماشى مع طبيعه النشاط اللي كنكونوا حنا متموجين فيه. بحال مثلا اليوم عندنا نشاط ديال ليالي رمضان، بالتالي ارتئينا اننا نديروا العمل كله فيه ما هو صوفي، يعني عمل صوفي كورالي مع اطفال يعني باعمار مختلفه. شكرا.